à Belremouz. C'est un village agricole de la révolution agraire. C'est une sortie de volontariat faite par les étudiantes de l'université de Constantine. Pour le travail dans les champs, c'est plutôt symbolique parce qu'on sait que ce n'est pas notre travail qui va avancer la production agricole, ce n'est pas vrai. Mais si nous on fait ce travail, c'est pour les amener à être plus confiants. Bon, avec les paysans, c'est très difficile d'entamer de but en blanc une discussion qui pourrait avoir. C'est une femme de Chahib. Son mari est mort pendant la révolution. Actuellement, elle habite dans un bourbi. C'était les séquelles de la colonisation. Et pour elle, enfin, elle est convaincue qu'elle ne pourra arriver à un stade que si elle lutte. Et elle dit qu'elle fait ça, non pas pour elle, puisque elle a vécu une vie, si vous voulez, assez dure, mais elle fait ça pour les générations futures, à savoir, par exemple, pour ses enfants. Et elle confirme ça par le village agricole de Belremouz qui sera terminé prochainement.